Salut à tous les amis, c'est Drixiz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature les gars, aujourd'hui nous sommes de retour pour le début d'une nouvelle série. Je vous en avais parlé hier dans la vidéo Police Municipale en coopération avec la Police Nationale. Et bien aujourd'hui c'est le premier épisode d'une nouvelle série. Vous l'aurez vu au petit générique que j'ai pris approximativement 2 heures à faire pour ce que c'est. C'est vraiment énorme pour... le rendu, je trouve que c'est pas ouf. Donc un été à Orly, donc tout simplement ça va être une série où je vais incarner différents métiers des travailleurs de l'aéroport. Donc ça va passer des bird control comme on va faire aujourd'hui, je vais vous expliquer en quoi ça consiste, jusqu'aux pompiers, la police et d'autres métiers. Donc voilà tout de suite un petit extrait de ce qui va se passer dans l'épisode de demain. Posez votre arme madame, posez votre arme. Allez, lâchez votre arme. Officer, activate tick panic button, ok. Ok, on a un officier qui a activé son panic button, les gars. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va aller voir tout ça tout de suite. Oh là, ok, coup de feu, coup de feu. Il y a encore des coups de feu. Il y a encore des coups de feu. On est de retour, du coup, on va directement commencer notre patrouille. Donc, en gros, attendez, on va se mettre en stand-by ici, puis je vais vous expliquer en quoi consistent les bird control. Donc comme vous le savez, les avions, eh bien, ça vole dans le ciel et c'est très sensible et il faut absolument qu'il percute. Donc un truc qui est aussi dans le ciel, ouais je me suis embrouillé dans mes propos là, un truc qui aussi est dans le ciel et qui peut être très 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 dangereux pour les avions, on l'a vu de par l'Hudson, le crash d'avion qu'il y a eu sur l'Hudson à New York, c'est les oiseaux. Donc bird control en gros. Notre mission à nous, ça va être de patrouiller dans l'aéroport et de tirer avec un fusil là où il y a les oiseaux, mais ne pas leur tirer dessus. En gros, notre mission, c'est juste faire partir les oiseaux qui sont dans la zone de l'aéroport ou proche des pistes. Car tout simplement, il ne faut pas qu'il y ait un oiseau qui rentre dans un réacteur à l'atterrissage ou au décollage, car ça peut être très, très, très dangereux. Du coup, j'ai installé quelques mods qui font que l'aéroport paraît un petit peu plus réel, un petit peu plus vivant. Donc il y a des mods qui permettent tout simplement d'avoir plus d'avions, plus de monde, de nouveaux véhicules et tout. Tout ça vous le découvrirez au fur et à mesure de la série. Du coup n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur tous les réseaux sociaux car je publie des photos sur Twitter, Instagram, Facebook et Snapchat des différentes vidéos. Et je vous avais spoilé un petit peu la série sur Twitter. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, n'hésitez pas à y aller car c'est des épisodes qui ne sont pas encore sortis. Et vous saurez tout simplement ce que c'est. Du coup, là ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement descendre de mon véhicule. J'ai oublié d'allumer mes gyrophares car il faut savoir que quand on est dans un aéroport, là je suis sur la route des véhicules, du coup ça pose pas de problème. Mais là je vais bientôt être totalement en dehors des pistes. Et il faut que je mette mes gyrophares. Du coup on va prendre un pistolet de détresse, voilà, parfait. Donc j'ai 20 cartouches dans mon pistolet. Donc c'est pas énorme, donc il faut être assez intelligent et ne pas les tirer n'importe où. Du coup j'ai des gyros bleus qui n'ont pas du tout nous servir. Nous on va se concentrer que sur les gyros orange. Donc ça on a une petite écriture car à la base c'est un véhicule de police. Donc là ça sert à rien que je le mette. Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire les pistes, donc les bouts de pistes. Et tout ce qui est les alentours de l'aéroport, donc derrière les grillages. Là-bas on est une espèce de petite plage. Et il faut qu'on ira dessus pour tout simplement eh bien faire fuir les oiseaux. Donc il n'y a pas beaucoup d'oiseaux parce qu'ils ont compris la chose. Mais il y en a toujours quelques-uns. Du coup c'est ça, il faut être très vigilant. Donc là il faut bien regarder. Si jamais on voit des oiseaux, on tire une fusée de détresse. Donc j'ai bien précisé qu'on ne tire pas sur les oiseaux, hein. On n'est pas là pour... on n'est pas des chasseurs, on est juste des contrôleurs animaliers. Donc en gros, dès que les oiseaux peuvent potentiellement représenter un danger, on doit écarter le danger sans blesser ni les oiseaux, ni nous, ni les humains. Enfin, faut être intelligent, quoi. Donc voilà le type d'avion qu'on a sur l'aéroport de Orly, hein. Des gros avions, on a tout type d'avion, ça va du jet privé jusqu'au petit avion de commerce, aux gros cargos de commerce, aux avions de tourisme. Il y a un peu de tout. Il y a aussi des véhicules de luxe. Je vous mettrai un lien dans la description qui expliquera tout simplement tous les différents types de véhicules qu'on peut rencontrer sur un aéroport. J'ai fait beaucoup de recherches, hein, pour faire cette vidéo. Oh là, regardez, il y a un avion qui se pose. C'est super stylé. Je kiffe ça. Il y en a un autre qui vient de décoller là-bas.
Donc tout simplement les gars, j'ai fait beaucoup de recherches pour cette vidéo et je vous mettrai quelques liens dans la description pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux le fonctionnement d'un aéroport et principalement de l'aéroport de Orly parce que c'est sur lui que je me suis penché et sur son fonctionnement à lui. Donc vous verrez tout ça bientôt. Vous avez juste à cliquer dans la description, vous abonner à tous mes réseaux sociaux et ensuite après ça faire un petit tour sur les différents liens que je vous aurais mis à disposition. Du coup, là je suis sur la piste numéro 2, donc il faut être assez vigilant. Regardez, il y a pas mal d'avions quand même dans l'aéroport, hein. Désolé, je tousse encore un peu. On va aller tirer quelques fusées de détresse au bout de cette piste-là. Et ensuite, on ira à l'extérieur de l'aéroport. Ok, donc on se met là. Notre petit pistolet de détresse est là. Ok, parfait. Et là, en gros, ce qui va se passer, c'est que les oiseaux vont avoir peur du bruit, tout simplement. Et puis, ils vont s'écarter. C'est pas plus compliqué que ça. Oula! Elle nous est retombée dessus, elle est retombée sur la voiture, la fusée. Ok, du coup. Normalement, j'ai un accès directement de l'aéroport pour faire le tour. Là, je dois allumer mes gyrophares, tout simplement parce que je ne suis plus sur les pistes. J'ai quitté les petites pistes. Du coup, pour des mesures de sécurité, je suis obligé de mettre mes gyrophares. Ah, donc c'est inaccessible. On ne peut pas passer par ici. Ok, très bien. Bon, on va faire tout le tour. C'est pas un problème, hein. Nous, on a le temps. Par contre, on va aller sur la route principale. On va couper nos gyros parce que on n'est pas censé les avoir. Hop, je vais pas passer par ici parce que la barrière ne va jamais s'ouvrir. À savoir que la texture du véhicule, c'est un véhicule de police que j'ai retexturé. Et bien tout simplement en bird control. Donc pour ceux qui souhaitent avoir le véhicule, ce sera à la fin de la série. Donc d'ici quelques semaines, quelques mois, tout sera disponible. Je vais faire un méga pack qui sera disponible tout simplement sur mon Discord. Parce que je mets plus mes mods sur le web. Tout simplement pour la bonne raison que beaucoup de personnes réutilisent les mods sans présenter, enfin sans donner les crédits. Et ça a le don de m'énerver plus que tout. Et là, il semblerait que j'ai loupé la sortie. Du coup, on va refaire un petit tour, hein. Et du coup, voilà, tout sera disponible à la fin de la série sur un de mes réseaux sociaux via un lien privé. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut absolument être présent. Et du coup, alors, attendez, c'est par où? Ok, c'est par là-bas. Faut que j'aille à droite, là. Hop, là. Désolé, je te fais une petite queue de poisson, mais bon. C'est pour le bien des oiseaux. Et voilà, il y a beaucoup de véhicules, hein, que j'ai fait moi-même. Ça va d'une ambulance jusqu'au véhicule des pompiers de l'aéroport. Jusque un petit peu tout en fait. Tous les véhicules, je les fais moi-même parce que il n'y en a aucun qui existe. Et comme je les personnalise pour être aéroport de Paris, eh bien voilà. Il m'en reste encore beaucoup à faire, hein. Là, c'est par ici à gauche. Je connais l'aéroport par cœur parce que. J'ai quand même beaucoup travaillé la vidéo, la série, hein. Avant de commencer, j'ai pas fait ça n'importe comment. Du coup, là, on est là. Ok, il y a des oiseaux ici. On va les faire fuir. Ok, parfait, ils partent. Regardez, ils ont fait demi-tour là. Ils ont fait demi-tour. Oula. Ouais, c'est quoi ce jet privé là? Qu'est-ce qu'il fait lui? Il va se poser? Regardez. Il y a un jet privé qui atterrit. Oula, il atterrit vachement bizarrement. Il va se crasher lui. C'est magnifique. Je kiffe ça, les gars. Ok, du coup, on a fait partir des oiseaux qui étaient en bout de piste. En plus, là, il y avait un. Oula, il y a plein d'oiseaux ici. Ah oui. En plus, là, il y avait un avion qui allait atterrir tout pile à ce moment-là. Ok, là, il y a plein d'oiseaux. Je sais pas où ils sont partis. On va tirer quelques fusées. Et en gros, nous, notre métier consiste uniquement. Enfin, pas uniquement. On assure la sécurité des pistes. En même temps, on passe un petit coup. On fait un peu le rôle d'inspecteur, seulement c'est pas à nous d'agir. Hein. L'inspecteur, lui, il agit sur les problèmes. Nous, si jamais on détecte un problème sur une piste, on va le signaler, mais voilà. Sinon, nous, notre mission principale, c'est vraiment assurer la sécurité des pistes d'un point de vue au niveau des oiseaux, en fait. Parce que si jamais il y a un seul oiseau qui rentre dans un réacteur, on peut nous accuser d'avoir mal fait notre travail. Normalement. On est plusieurs à patrouiller, mais aujourd'hui je suis tout seul simplement parce que c'est pas un jour où il y a beaucoup de trafic. En semaine,
Il y a au moins deux ou trois patrouilleurs. Là, je suis vraiment uniquement le seul aujourd'hui. Donc là, on fait le tour comme ça. Vous avez vu beaucoup différents, enfin beaucoup de types de véhicules différents garés un petit peu partout sur l'aéroport. Mais ne vous inquiétez pas, à la fin de la série, si vous la regardez en entière, et d'ailleurs vous avez l'obligation de la regarder en entière parce que je me donne beaucoup de mal pour la faire, eh bien vous les connaîtrez tous et vous connaîtrez à peu près tous les différents métiers qui existent dans un aéroport. Parce que c'est un petit peu le but de cette série, c'est pas juste jouer à GTA dans l'aéroport, c'est aussi vraiment découvrir les métiers de l'aéroport. Comme ça, je pense que Bird Control, pas tout le monde ne connaissait. Moi, j'ai découvert ça il y a j'avais pas dit, je vais pas dire longtemps, mais il y a quelques temps, j'ai découvert ça, puis j'avais totalement oublié. Et là, c'est en récupérant quelques informations, eh bien pour ma vidéo, enfin pour la série, que j'ai redécouvert ce métier-là et que je me suis dit, ça, il faut absolument que je le fasse parce que c'est un truc de ouf. Hop. Là, j'ai pas l'impression qu'il y ait des oiseaux. Après ici, on est juste derrière les entrepôts. Du coup, au pire, s'il y a des oiseaux, je vais les faire partir, mais ils représentent pas un danger immédiat. Là où c'est vraiment dangereux, c'est là où on va arriver, cette zone-là. En bout de piste et en... Oh mince! En bout de piste et en fin de piste. Car c'est vraiment ici qu'il y a un risque qu'il rentre dans un réacteur et que ça fasse péter le réacteur. Ah tiens, il y a des oiseaux ici, on va les faire partir. Oh là, lui il rentre sur la piste. Oula, attendez. Ils vont dans l'aéroport là. Allez, allez. Allez, ça part. Ok, ils partent par là-bas. Là, ils sont juste au-dessus des pistes. Ok, on va retourner par là-bas. Si jamais on voit... Oh là là, si jamais on voit qu'ils partent pas... Ok, il y a beaucoup d'oiseaux ici. En même temps, c'est un aéroport en bord de mer, c'est logique qu'il y ait des mouettes un peu partout. Hein. Ils sont où? Ok, j'ai bien l'impression qu'ils sont partis, donc nickel. On va reprendre le véhicule, on va continuer. On va aller voir un peu plus par là-bas parce que c'est plus près du port. Et au port, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tous les chalutiers, les pêcheurs, et du coup, ça sent beaucoup le poisson. Et du coup, il y a beaucoup, beaucoup de mouettes. Et ça représente un danger qu'il faut absolument pas négliger. Et ouais, les gars, faut réfléchir. Hein. Là, je suis beaucoup dans le ciel parce que je cherche les oiseaux en fait. Hein. Ça reste quand même la base de notre métier. Ah ouais, là, il y a beaucoup. Oh là! C'est quoi tous ces oiseaux là? Allez, les mouettes là. Ah, j'entends un avion. Il y a un avion qui atterrit. Ah ouais. Regardez, il y a un gros cargo qui vient d'atterrir. Comment je kiffe ça, les avions. Ok, bon. C'est good. Il me reste plus que 5 cartouches, hein. Ils sont partis? Ok, parfait. Les oiseaux sont partis. On va continuer tranquillement notre petite ronde par là-bas. On n'en a pas d'autres, j'ai bien l'impression qu'on a éliminé tous les oiseaux sur ce bout de piste là. C'est vraiment au bout de piste qu'il y a beaucoup d'oiseaux. Après, dans l'aéroport, généralement, à force de se prendre des fusées de détresse, ils viennent plus sur les pistes, mais il y a quand même un risque. S'il n'y avait aucun risque, croyez-moi, je ferais pas ce métier là. Du coup, là, c'est. Je suis dans un cul-de-sac. Non, c'est bon. Ah! Il y a la police. Ils sont où? Ah ouais. Oula! Ah oui, effectivement. Oula, oula, il y a des gros coups de feu. Oh, moi je me barre. Il y a des coups de feu dans l'aéroport là. C'est pas tous les jours, mais quand ça arrive, c'est effrayant. Ok, on passe tranquillement par ici. On va laisser la police passer. Ah, il passe pas par là. Ok, d'accord, ça s'agite pas mal côté police. Ne vous inquiétez pas, les gars. Bientôt, nous y serons. Nous serons policiers aussi. Et vous découvrirez le métier. Oula! Ah, c'est là-haut qu'il y a des coups de feu. Ok, d'accord, c'est assez flippant. Nous, on retourne dans l'aéroport, les gars. Hein. On va faire notre travail, tout simplement. On va pas se préoccuper de ce qui nous correspond pas. De ce qui nous regarde pas, plutôt.
On va tranquillement continuer par là. Alors, est-ce qu'ils sont revenus, les petits oisillons? Bah non, j'ai bien l'impression qu'ils ont compris la leçon. Alors. On n'a pas d'oiseaux en vue, hein. C'est sympathique. C'est sympa. Regardez-moi l'aéroport, je kiffe ça, les gars. Je sais pas pourquoi j'ai jamais pensé à faire une série plus tôt. Ah, après, une chose que je peux faire aussi, c'est aller patrouiller au niveau des avions directement. Parce que... Là, on parle des pistes, mais si jamais il y a un oiseau qui se pose dans un réacteur, tout simplement, ça peut avoir de grosses conséquences. Ok, on va faire un petit tour. On est tout simplement au niveau des avions, là. Du coup, on va patrouiller. Et si jamais on voit des oiseaux, on va les écarter. Puis même, il y a des hélicoptères sur la zone. Donc là, vous voyez que il y a tout un tas de véhicules autour des avions. Ça, ce sera le sujet d'une vidéo sur qu'est-ce que c'est que tous ces métiers. Vous inquiétez pas, vous serez au courant de tout. Donc là, on regarde tout simplement, hein. Pas d'oiseaux, du coup, c'est parfait. KLM. Ça, c'est Air France, KLM. Hop, là, ils mettent les bagages en soute, ici. Ouais, il n'y a pas d'oiseaux. J'avais bien l'impression qu'ici, ils sont plutôt calmes. Hein. Il n'y a personne. Il doit y avoir des systèmes anti-oiseaux, ici, je pense. Je sais pas, un système d'ultrason ou un truc comme ça, ça... Ça pourrait être stylé. Hop. Et là, on n'a plus d'avion normalement ici. Là, c'est la caserne de pompiers, la base d'entraînement et tout ce qui est les services tels que la poste, tous les trucs comme ça. Ok, du coup, on va refaire un tour sur les pistes. Hein. C'est en ça que consiste notre métier, les gars, c'est de faire des tours sur la piste. Donc ouais, j'ai bien l'impression qu'il n'y a pas d'oiseaux. Ou plus, en tout cas. Ils sont peut-être plus au niveau de la mer. On va retourner au niveau du port. Hein. Peut-être que là-bas, on va trouver notre bonheur. On va trouver quelques oiseaux. Mais ici, j'ai bien l'impression qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas un avion qui va se poser sur nous. Non, c'est bon. Ok. Du coup... Nous sommes ici. Là, il y a des oiseaux normalement. Il y a tout le temps des oiseaux ici. On est au bord de mer, près du port. On a un 4x4 parce qu'on peut aller n'importe où en fait. On a le droit de rouler sur l'herbe. On a le droit de rouler vraiment où on veut en fait. Hein. Je précise. Parce que là, je suis amené à rouler un petit peu n'importe comment. Après, là, il y a les bus de l'aéroport. Peut-être bien que je vais faire là-dessus. Je sais pas, j'ai pas encore réfléchi à tout ce que j'allais faire durant cette série. On est qu'au premier épisode. Hein. Ça peut durer super longtemps. Si jamais vous en demandez beaucoup, eh bien, je vais en faire beaucoup. Ouais. Bah, j'ai pas l'impression qu'il y ait 2-3 eaux. Il faut que j'aille au niveau de là-bas. Du coup, je vais y retourner. On va retourner là où on était tout à l'heure. Hop, attention, c'est par là. On sort ici tout simplement. Ok, je connais la route maintenant, je vais pas faire des tours pour rien. Hop, ensuite c'est à gauche. Derrière le bus de l'aéroport. Je te double. Ok, parfait. Là-bas, je suis sûr qu'on va trouver des oiseaux ou un truc. C'est sûr, il y aura quelque chose. Après, nous, on chasse vraiment tout type d'oiseaux. Hein. C'est pas on fait que telle race. C'est vraiment tout ce qui est volant. Après, s'il y a une personne avec un drone, ça aussi, c'est peut-être à nous d'intervenir. D'essayer. Ah, il y a des oiseaux ici. D'essayer de lui faire comprendre qu'il a rien à faire là et qu'il faut qu'il parte. Il me reste combien de fusées de détresse? 5.
Si jamais je tire sur un oiseau, ça fait quoi? Oh là, il y a un jet privé qui se pose. Oula! Il se pose dans l'herbe, il est sérieux? Il est en train de se poser dans l'herbe, le jet privé, là. Mais il est... Hey, il est taré, lui. Il conduit ça, mais n'importe comment, eux. Oh, il s'est crashé! Oh, il s'est crashé, le jet. Mais non. Oh, c'est méga stylé. Pourquoi j'ai pas fait la vidéo aux pompiers? On aurait fait une intervention de ouf aujourd'hui. Ah, je viens de vous spoiler une vidéo. Punaise, je suis trop con. Mais après, c'était sûr, ça. Pour ceux qui ont vu Twitter, vous le savez. Vous avez déjà découvert le véhicule qui va nous servir pour notre vidéo sapeur-pompier. C'est un véhicule que vous n'avez encore jamais vu. Et qui est au plus réaliste. Hein. Je l'ai fait moi-même. Alors, du coup, en termes d'oiseaux, bah, on était concentré sur le jet qui a fini en bouillie. Faut bien regarder. En fait, il y a des zones où il y a plus d'oiseaux que d'habitude. Et généralement, quand on est deux ou trois, on a chacun une zone, chacun une piste, en fait. Et comme ça, ça me permet de faire des allers-retours et d'être un peu présent sur tous les fronts. Parce que là, pendant que je suis pas au bout de cette piste là-bas, là, eh bien, il y a des oiseaux qui auraient pu revenir. Et ça peut être très, très, très dangereux. Pardon. Hop, on refait tout le tour, hein. Ça coûte rien. Ah, des oiseaux ici. Et ils sont où? Dans tous les cas, même si on les voit plus, on tire des fusées de détresse. Hein. Ok, j'ai plus de fusées de détresse. Du coup, il faut que j'en reprenne. Hop. J'en ai dans mon coffre. Hein. Je vais dans mon coffre tout simplement parce que là-bas, j'ai tout ce qu'il faut. Hop, j'en ai repris 20. Ok, parfait. Hop. Ah oui aussi les gars, j'ai commencé cette série après avoir reçu le nouveau PC parce que je voulais pas commencer avec un PC tout pourri. Oh là non, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai coincé mon véhicule. Alors attendez, on va réussir à le décoincer, c'est bon. Oh là, qu'est-ce que je fais là? C'est pas sérieux tout ça. Oh, je peux tracter une remorque avec mon véhicule là, c'est super stylé, c'est méga bon à savoir aussi. Et j'ai un projecteur sur le toit. Je sais pas à quoi il sert. Ouais, donc c'est pas les phares. Je sais pas du tout à quoi il sert le projecteur qui est sur mon toit. Ouais, bon, allez, on va tranquillement finir notre tour et rentrer à la base. Parce que ça va être l'heure de la pause déjeuner pour nous. On a déjà patrouillé toute une matinée là-bas, oui, hein, ça... C'est rapide. Puis il y a un collègue à nous qui va arriver pour l'après-midi, qui va continuer. Donc là, pas d'oiseaux, nickel. Sinon, ce que je peux faire, c'est aussi, regarder, tirer de mon véhicule. Hein. Mais bon, c'est assez dangereux, parce que imaginons que je me foire, que la fusée de détresse finit dans mon véhicule. Et ça peut avoir de très très grosses conséquences, telles que le véhicule qui crame. Si un véhicule qui brûle à proximité de l'aéroport, c'est fermeture de la piste. Parce que il y a une projection de fumée qui peut être très dangereuse pour les avions. Du coup là moi je tire de mon véhicule parce que ça fait des années que je suis dans le métier, voilà. La direction elle le sait pas, puis voilà. Mais on n'a pas à faire ça normalement. Hop, je vais tout simplement... Oula! Les gars là, il y a des millions d'oiseaux là. Ok, parfait, 4 fusées de détresse. Ça fait de mal à personne. Parfait. J'ai pas une petite porte qui me permet de rentrer directement là que de faire tout le tour parce qu'après ça sert plus à rien d'aller par là-bas. Là les oiseaux ici on les laisse à la limite. Y'a plus de barrière hein, du coup il faut pas se foirer. Hop. Alors, c'est par où, là? Si je vais par ici, ici... Ok, parfait, c'est par là. Hop, à droite, puis à gauche. Ah, il y a la police ici, en position. Hop. On va retourner tranquillement. Là où on était au début, c'est un petit local qui nous appartient. Là, on a toutes nos munitions. Il y a tout ce qu'il nous faut pour
pour bien patrouiller. Il y a aussi tous nos véhicules, donc c'était ici, hop là. Et ça va marquer la fin de cette vidéo, les gars. C'était le premier épisode de la série Un été à Orly. Un épisode tous les dimanches à 8h, donc soyez présents. Vous pouvez le regarder n'importe quand même, hein. Il y aura une playlist qui sera créée sur la chaîne. Excusez-moi, wow, j'ai perdu ma voix sur la fin de la vidéo. Bah du coup les amis, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. On va se retrouver demain pour une vidéo totalement lambda. C'était Drexys et ciao, bye bye.